Allez, tout est lancé, c'est parti pour du Xenoblade Chronicles X ou Cross comme vous voulez. Sur Wii U, c'est la suite spirituelle de Xenoblade Chronicles qui est sortie sur Wii. Après l'histoire, a priori, elle n'a rien à voir. On met le jeu, la super musique et tout, hein, parce que c'est vachement bien. On va en faire cet après-midi et demain, à peu près, je sais pas, il est quoi, il est 14h, donc on va en faire jusque vers 18 à peu près. Et demain à peu près pareil. Ouais, à peu près. Peut-être demain matin, enfin je sais pas, on verra bien. Donc, la Wii U, en même temps je découvre, enfin je découvre la Wii U, oui je l'ai acheté exprès pour le jeu, donc forcément. Nouvelle partie. Bon, le point négatif que je vais râler tout de suite, hein, ça va être, ils ont enlevé les voix japonaises du jeu chez nous, hein. Donc ça fait chier. On n'a que des voix anglaises qui sont moyennes, on va dire, un peu trop adaptées à l'américaine, quoi. Enfin, bon. On verra bien. On peut pas régler le son, on peut pas couper le bordel. Enfin bon, c'est super. Que je récupère mon stylet. Oui, non, désactive l'extinction. Oui, bah ouais, vas-y, désactive l'extinction automatique, sauvegarder les paramètres. Oui, vas-y. Ouais, non, mais toi, j'ai déjà regardé tout à l'heure, c'était bien. Confirmé. Non, mais c'est bon. Toute façon, je peux rien choisir d'autre. Hop. On joue en ligne, notre profil. Oui, bah oui, vas-y. Te gêne pas. Allez, c'est parti. July 2054 AD. The Earth was caught in a great battle between unknown alien forces. Their weapons were terrifying and powerful beyond human reckoning. Our planet was overrun, its surface reduced to ash and rubble in the blink of an eye. The Coalition government knew the war was coming. In response, they prepared the Earth Life Colonization Project, Project Exodus. Interstellar arcs were launched all across the planet, from every major city on Earth. Bravely, we leapt from our cradle,
our home for the last 4.5 billion years. But most of the Arks never even made it out of the atmosphere. Only a small handful managed to escape. Among them was our ship, the White Whale. After leaving Earth behind, we spent 2 years wandering in space, searching. We thought of ourselves as the lucky ones, the pioneers who would settle a new world. But our past caught up with us, literally. The alien blitz was unrelenting. If not for the efforts of a lone hero, we would never have survived. Our ship took heavy damage. We lost control. With our flight systems down, the White Whale was pulled into the gravitational field of a nearby planet, its hull shattering and breaking to pieces as we plummeted toward the surface. Since then, 2 months have passed. Ça y est, c'est parti, hein, petite vidéo qui met bien dans l'ambiance. Hein. Donc, une fille, oui, donc salut Arnaud, hein, t'inquiète pas, j'ai prévu, de toute façon je joue que des filles quand on a le choix. Changer de fond. Ah ouais, attends, je vais changer de fond. Ah bah voilà. Alors, visage de base, qu'avons-nous? Ah, ça rame pas du tout, c'est bien, j'aime déjà. Ah, j'ai pas téléchargé les packs parce que de toute façon j'ai pas cette place sur le disque dur. Donc... tout ça, on peut tout changer. Ouais, joue aussi actrice, grain de beauté, style, cheveux, ouais, on pourrait tout changer ensuite. Ouais, partir sur. Il y a mon stick là. Ouais. On va partir sur ça en base. Allez, taille. Là, on peut faire des très gras. Peut-être. Attends. Pas le mode. Voilà. Non, ça marche pas au stylet. Ah, c'est con ça. Ça aurait pu aller plus vite. Bon, taille moyenne, hein, c'est bien. Alors, ZL, RR. Ah oui, non, c'est ça. Putain, j'ai changé les trucs. Couleurs, non ça va, tache de rousseur c'est bon, les joues. Un truc qui change là. Ah ouais, alors c'est pas beaucoup hein. Des cicatrices, ah ouais, on peut faire déjà des balafrés de mort qui tue. Et grains de beauté, on s'en fout. Oui c'est bon, ça c'est bon. Hop, bon, c'est les cheveux. Alors, on a quoi? Cheveux courts, cheveux pseudo longuets, cheveux très courts, cheveux, je me suis pas levé ce matin un peu comme moi, enfin, je me suis pas coiffé ce matin un peu comme moi. Cheveux encore moins bien coiffés. Cheveux, j'ai une frange toute chelou. Cheveux, j'ai encore plus ébouriffé. Et cheveux encore court moyen. Non, mais il n'y a pas 50 millions de cheveux. Hein. Ouais, il va laisser ses cheveux longs. Hein. Ouais, on va lui mettre sa petite crête sur la tête. Couleur. Accent en couleur.
Ah non, on peut remonter quand même. Attends. J'essaye un truc, hein. Ah oui, mais c'était les racines, merde. Ah oui, d'accord. Oh, on peut faire des trucs chelous, hein. Ah non, c'est pointe et racine. Oh là là. On peut faire des trucs trop chelous. Putain, je veux juste plus clair. Ouais, mais la transition est pas géniale. On va garder le... Non, mais non, c'était bien ça. On va lui garder tous ses cheveux... Hein? Les yeux. Bah, les yeux verts, non. Ah, les pupilles. Ah, c'est n'importe quoi. Vert, moi j'aime bien les yeux verts. C'est quoi les... Ah oui, l'intérieur. Ça fait un peu peur. Hein. Les yeux rouges, ça fait un peu peur là. Non, ça va être vert et vert. Hein. Voilà, je prends deux noms. Non, ça c'est peur. Non, c'est bien ça. Hop, ensuite le maquillage. Ah, fard à paupières, oh punaise. Non, mais c'est bon, pas besoin d'être putain maquillage, ça va aller. Lèvres. Ouais. Peinture faciale, ok. Tout va bien. Y'a pas un truc. Genre... Oui, non, mais pas. Non, mais faut arrêter là. Dans le discret, tu vois. Genre pas folie. Oui, bien sûr. Alors ça fait très très marqué. Hein. Non, ça c'est trop. Non, ça c'est n'importe quoi. Allez, on va laisser celui-là. Ouais, évidemment, il y a que les CU anglaises. Moi, j'aurais voulu les Jap. Prévisualisation. Ah, essai. Ah oui, c'est elle. Allez, hop. Hop. Bon. Est-ce que ça va? Faut pas zoomer? Non, on peut pas zoomer. Allez, on va dire que ça va. Oui, alors dans les trucs qu'on n'a pas dans la version européenne, c'est la taille de poitrine, mais bon, c'est pas très grave. C'est pas ce qui me dérange le plus dans ce qu'ils ont enlevé. Elma, ça doit être nous. Attention, external access confirmed. Disengaging stasis in 10 seconds. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Oui, c'est pas faux, Arnaud, mais bon. Mais là, on joue les Américains, donc. Looks like you're all in one piece. Careful. Just take it nice and slow, okay? Your senses will need time to reactivate. Your pod is the only one around that landed intact. Good thing I found you. My name's Elma. Ouais, non, c'est elle, Elma. You want to tell me yours? You don't even remember your own name? It must be the stasis hangover. That's not good. Just try and focus, all right? Bah, à mettre le même que j'ai dans FF14, hein, mon pseudo-fi. Évidemment, vous voyez pas le touchpad. Alors, si jamais il y a des infos intéressantes, je brancherai la webcam. Mais pour l'instant, il y a juste le clavier. Good, there we go. What else you remember? It'll come. In the meantime, I'll get you up to speed here as best I can. How are your limbs? Can you move? We'll take it easy while you shake the stasis out of your system. One step at a time, all right? First things first, you'll be needing a weapon. There you go. All right, let's get going. Oui, alors juste pour info, l'objectif de ce week-end c'est aller jusqu'au déblocage du multi, hein, histoire que ensuite soit débloqué et que je puisse y aller. Comment dire, je puisse jouer avec d'autres potes qui ont aussi Xenoblade Cross. Donc vu que j'ai du retard, ah ouais, j'ai vu ça, Arnaud, merci bien. Oui, vu que j'ai un peu du retard par rapport à eux, le but de ce week-end c'est d'aller jusqu'au déblocage du multi qui est à peu près vers 10 heures de jeu, un truc comme ça. Donc, comme ça ensuite on pourra aussi faire des multi. Donc si tu bloques, prends le temps de consulter la mini-carte. La flèche jaune t'indique le chemin, mais sortir la sortie battue. Ouais, pendant les gens sont sérieux, sont nuls. Bon, en même temps, je prends en main la mablette, hein, parce que c'est à peu près la première fois que j'en touche une. Trophée débloqué, prologue en cours, Erza. D'accord. Alors, est-ce que j'ai dans le menu? C'est quoi ce truc? Oh, punaise. Ah, je peux faire des signes. D'accord. Ok. Donc, je peux faire des emotes et c'est à peu près tout ce que j'ai débloqué pour le moment sur la mablette. Alors, initier la caméra, elle. Non, elle comme ça? Non, elle comme ça? Ah oui, elle comme ça. Courir, cible. Ouais. Alors, attends, faut que je vois si la caméra elle est pas inversée. Je sais jamais. Bon, on verra bien l'utilisation. Changer d'arme, X, c'est où X? Là. Ok. Ok. Sauter. ZB, d'accord. Ah oui, c'est du saut. Oui, c'est vrai que c'est. Ça fait comme dans Xenoblade Chronicle, c'est un peu des sauts de fou furieux. Bon, comment on tape? On tape pas pour le son. Ta 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 ta.
On sort d'où? Il était où notre truc de stase là? Il est encore là? Non, il est plus là. Du sport, lui. On va sortir d'un truc de stase. Et... Ah, si, il est là. Quand même. Puis pourquoi il flotte quand j'arrive? C'est quoi ce temps dégueulasse? Ah, qu'est-ce qui se passe? Most of the white whale's life pods didn't survive the crash. Like this one. You're one of the lucky few. Right. You don't even remember the white whale, do you? You know, the L002? The ship we escaped Earth on? You remember Earth, right? Planet Earth. Your homeworld. Or rather, it used to be anyway. Unfortunately, it was caught in a battle between two alien forces and destroyed. Ring any bells? Don't feel bad. It's one memory I'd like to forget. Bébête. I know. It's been following me for a while now. I didn't want to alarm you, but we're going to need to defend ourselves. You up to the task? Baston. Alors, je combats cible un ennemi, puis en dégainant ton arme. Oui. Donc, cibler R, hein, d'accord, on est d'accord. Dégainer, cibler, puis A. Ok. Faut-tu. Ah, putain. Déjà, il faut que je vois. C'est quoi B? C'est la B. Ok. Comment je switch? Ah oui, comme ça. Ah oui, mais non, mais je voulais pas changer d'arme, reprend ça. Attends, je vais verrouiller. Oui, mais elle tire toute seule en fait. Plus, menu de combat. D'accord, j'ai pas eu le temps de taper sur plus. You're not half bad. There's plenty of work back in the city for someone who knows how to handle a weapon, you know. Oui, non, mais je suis d'accord, hein, t'inquiète. Hein. Then you're interested. In that case, I might have just the job for you. But anyway, we can talk more details later. For now, let's keep moving. Trésor récupéré, plateau originel, d'accord. Ok. Donc pour revenir, oui, je sais Arnaud, mais de toute façon, je sais qu'il va durer 10 ans ce jeu. C'est pour ça qu'après ce week-end, on les fera de toute façon que dans les sessions Let's Play, donc le mercredi et le samedi soir, sauf cas exceptionnel où je vais faire du multi avec des potes. Et voilà, je sais que je vais en avoir pour 6 mois avec ce jeu, hein, donc je suis pas pressé, mais... Puis vu que je suis du tendance à... Voilà, les jeux en général c'est comme Skyrim et tout ça, c'est, il faut aller au point A ou au point B, mais je mets 10 heures à y aller parce que je m'arrête à peu près tous les 3 mètres pour faire des trucs. Donc je crois qu'on a pas. On a pas fini les jeux. Oh bouffé. Il fallait faire des trucs. D'accord, faut appuyer. Par contre, peut-être que j'achète une manette pro normale parce que le gamepad c'est sympa 5 minutes mais c'est un peu large. On verra. C'est ça pour sauter. On verra déjà au bout de ce week-end où j'en suis dans l'exploration. Enfin dans le contrôle de ma mablette.
Voir si j'ai réussi à la prendre en main. Oh, est-ce que j'ai des trucs en plus dans le menu? Non, que dalle. Je peux toujours cliquer sur rien. J'ai même pas la carte. Hop. Ah ouais, bah si tu l'as, et si jamais tu veux faire une free and request sur le Nintendo Network, mon pseudo c'est Xele02. Donc n'hésite pas, hein, si tu veux qu'on se fasse des parties en multi plus tard. Il n'y a pas de souci, je suis ouvert à toutes les propositions. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Attends, j'essaie déjà de viser. Cible. Ah, voilà. Ok, alors, menu de combat, plus. D'accord, ça c'est pour les amis, ok. Ah, ouh. On peut rien faire. Ah, c'est bien de faire des trucs. Sélectionner art, ouais, ça je sais. Changer d'arme, verrouillage. Ah, verrouillage. Ah. Ah, ça pique. Vas-y, tire. Ok. Ah, ça régène de la vie tout seul, tant mieux. Je suis niveau combien? Je sais même pas. C'est pas fiché, puis j'ai pas encore accès au truc. Enfin, je crois pas. Le menu qui marche? Ah si, j'ai des menus là. Bah voilà, mais pourquoi j'ai pas les menus comme ça sur la mablette? Équipe. Statut. Oui, on voit un peu. Je suis niveau 2, ok. Équipement, art. Pas changer X, non. Ah oui, non. Ah oui, non, ça c'est changer l'affichage du nom. Ok, ça c'est quoi ça? Les arts, d'accord. Les compétences, on en a pas. Les cru du ça va un petit peu. Et ça, comment on change de perso? C'est pas là, c'est pas là. Ok, on a quoi d'autre dans le menu? Équipement. Alors, ah bah j'ai une nouvelle arme. Assaut d'attaque modifié. À la place du fusil d'assaut là, je suis là. Ok, il y a un niveau fusil, d'accord. Ok, il faut être niveau 3, c'est bon. Niveau 1, voilà, c'est bien. Il est mieux? Ouais, il est mieux. Allez, hop. Tu as, il est mieux aussi. Allez, on met. Alors, prendre les objets blancs au sol. Ouais, les objets blancs. Les trucs, là. Ouais, ouais, ça, je sais. Attends, j'ai pas fini avec le menu. Donc ça, après, on retrouve tout ce qu'on avait là-bas. Je suppose que là, on fait tout le réglage. Ouais, c'est ça. Ok. Compétences, on n'a rien. Plus, il y a des compétences, d'accord. Ah ouais, d'accord. Aventurier et jaguar cuirassé. Ok. Les classes. Oh, le nom de Dieu. Frappeur, commando, exécuteur. Ah, d'accord. Alors, moi, je sais qu'on peut faire du double lame. C'est ce que je veux faire. C'est tout. Voilà, je veux pas redire par là. Je sais pas c'est où, je crois que c'est peut-être celui-là. Et je vais faire du double lame. Bon, ouais, je fais un peu de menu quand même. Il faut voir à peu près ce qui se passe. D'accord, donc en fait, c'est des trucs. Je sais pas encore comment on les lance, on verra. J'ai rien lu du manuel, hein, donc... Membre d'équipe actif, moi ça c'est nous. Ok. Ensuite, sociogramme. Ah, ils ont remis un sociogramme. Oh punaise, c'est le truc qui met 10 ans à remplir là, comme dans le premier. Euh,
Alors, ça c'est tout blabla. Inventaire, c'est mon portel. Voilà, mais il y a 50 millions de menus! Ok, trophée. D'accord, donc ça c'est ce truc. Oh, c'est bien, voilà, on sait ce qu'on va faire pour le 100%. Il suffit de faire tout ça. Les bestiaires, social. Poisson, il n'y a rien. Sauvegarde. Ah, sauvegarder, c'est bien. On peut sauvegarder n'importe où, ça c'est cool. Paramètres, c'est bon. Mode auto, c'est bon. Comment je vais lire en bas là? Effet de la pluie. Non, j'ai pas de savoir c'est quoi les icônes. Non, ça va te faire foutre, il faut que tu les apprennes tout coup, par cœur. Ok, bon. Allez, machin niveau 3 là. Ah putain, faut plus sur B. T'as l'air de viser comme une merde quand même. Hein. Ok. C'est quoi ça? Résistance physique plus. Ah, c'est bien ça. Je morfe un peu cher quand même sur les niveaux 3. Ok. Non mais attaque pas au couteau, c'était bien avec ça là. Je sais pas où est-ce qu'il faut qu'on appuie, s'il faut qu'on appuie dans le blanc ou dans le bleu. Je sais plus. Hop, tout prendre. Bon, je prends tout. Hein. Bon, je suis collectionneur, je prends tout ce qu'il faut. Hein. Ouais, c'est un tutoriel, je sais bien. C'est pour ça que j'essaye un peu tout. Et que je suis un peu lent, c'est normal. Ah ben voilà, ça c'est facile ça. Je vais essayer de taper dans le blanc pour voir. Ok. Elle a pas voulu faire le truc. Ok. Ouais, j'ai affiché des dégâts physiques. Ouais, c'est mort. Ok. Grenade enflammée, d'accord. Peut-être que je lis ce que font mes sorts quand même. Hein. Ah oui, je peux peut-être lancer. Ouais, bon, d'accord. Ah merde! J'ai pas encore le réflexe du B, hein, c'est pas encore ça. Je crois que je suis mal là. Je suis pas bien là. Bon, avançons un peu. C'est quoi là-bas? Moi je vois des trucs avec. Ah bah d'accord, oui, il m'affiche juste les trucs en blanc, ok. Le jaune, je suppose que c'est l'objectif. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est dégueulasse! Et non, mais c'était bien avec ça. Ow. Ok, donc là, ah ben voilà, c'est dans le blanc qu'il faut taper. Ah mais il y a l'autre qui me heal, c'est bon. Donc ça c'est bon pour les flancs. Par contre, comment je sais si je fais plus mal d'un côté ou de l'autre? Je sais pas encore. Hop.
Allons ramasser. Est-ce qu'on peut nager? Oh, on peut nager, c'est trop bien. Même FF15, on peut pas nager. On peut nager vite. Ça n'a pas l'air. Courir, ah, c'est comme ça. Ah bah si, on peut nager vite. C'est comme courir. Allez, Micheline, cours. Allez, allons à l'objectif. C'est pas du tout l'objectif. Yeah. Ou c'est pas du tout l'objectif non plus, c'est juste un... Ah, il est où mon bouton A? Ok. Un couteau en fer, cool. C'est mieux que mon truc, j'ai des doutes, mais bon. Nouveau ni ah, je suis non, je suis niveau ah, je suis niveau 3, je peux changer mon proto assaut, c'est bon. Ah, après il y a celui-là pour niveau. Pourquoi je peux pas le mettre celui-là? D'accord, c'est ma classe qui limite. Non, mais on va prendre celui-là, il fait plus mal. Sélectionner un emplacement. Ah, ah oui, non. Couteau en fer. Ah, bah oui, c'est vachement mieux un couteau en fer. Pourtant, avec le nom, ça avait pas l'air. Faisons une petite sauvegarde. Alors, hop. Alors, continuons par là-bas. Oulala. Alors ceux-là, ça, ils vont m'attaquer à vue. Ça, j'ai compris. Ça, c'est comme l'autre. Non, pas lui que je veux, c'est lui. Non, mais c'était lui que je voulais, c'est pas l'autre. Ah, non. Bon, tant pis. comment on change d'ennemi? Non, ça, c'est sauté. Ah, j'ai une nouvelle compétence. Je sais pas ce que c'est. Fente latérale, en plus j'ai des dégâts d'armes. Mais attends, j'ai pas fini de lire! Ça y est, il m'a vu. Sur l'arrière, ça va faire mal. Non, mais reste, reste derrière. Ok. Oh, j'ai pas le temps de lire mes compétences là, c'est chiant. Non, faut mes arts. Ok, donc. Bonus de recharge. Oui, mais c'est quoi les recharges? Je sais pas. Ok. Effets spéciaux, affiche des dégâts en plus en attaquant au flanc. D'accord, ça c'est bien sur les flancs. Résistance physique, ça je sais. Affiche des dégâts physiques plus chute. Ok, ça c'est cool. Et affiche des dégâts thermiques plus fournaise plus booste les dégâts sur un ennemi tombé. Ah. Donc en gros, faut marteau de guerre et ensuite faut grenade enflammée. C'est intéressant. Non, back. Trop de menus. Y'a rien par là-bas. Rain's starting to let up, just in time for sunrise. Follow me. I promise you're gonna love this. Enfin là il pleut, on va pas voir grand chose. Hein.
Bonjour. Indigenous, as far as we can tell. We need to learn to play nice with these guys if we're going to try and coexist together. We call this planet Mira. You won't find it on any star chart. But it's our new home. Recognize the habitat unit? That's where we're headed. Watch yourself. That first step's a doozy. We can jump if you like. You could handle the fall. But the indigens down there are another story. Some big, some mean, all nasty. Given our options, the high road here would be the safer way to go, relatively speaking. That said, whichever way you want to go, I'll follow your lead. You decide. Ah, les ambiances. Non, pas que mon niveau 3 non plus, on va pas taper dans les monstres violents. Si vous entendez la lutte avant la nuit, il faut accélérer la cadence, commencer à courir. C'est bon, j'ai déjà trouvé tout seul. Hein. Course auto, c'est quoi course auto? Pourquoi de... R plus B. R plus B. Encore. Oui, arrête de courir. Merci. Ah, on sait bien. Qu'est-ce que c'est ce truc? Bonjour toi. Ça y est, je commence déjà à parler à tous les mecs que je croise. Parlez. Attends, d'ici vous allez dire en blanche. Oui, je veux parler. Monsieur? Monsieur? Monsieur, allô? Oui? Non, mais tu veux pas me parler? Bon, ben, veux pas me parler. Monsieur, vous voulez me parler? Ah non, vous parlez juste là. D'accord. Bah, tu disais quoi, toi? Parce qu'au final, je t'ai pas lu. Bon, en fait, on saura pas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas, comme mob? J'ai vu qu'il y avait un mob, là. Niveau 1, ça va. Ah t'as, mais non, je voulais pas le taper, non je veux pas le taber, je veux pas le taber, je veux pas le taper, je veux pas le taper, je veux pas le taper, B, 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 voilà B. J'appuie sur A ou le B, parce que j'ai trop l'habitude de la... des manettes de la Play. La 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 la. Alors, qu'est-ce que c'est ici à choper ici A. Ta-ta-ta. Waouh, 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 on va pas tomber hein. Niveau 7, ça va être violent. Hein. Oh le truc! Oh le truc! Bon, désolé les mobs, mais vous allez me servir d'entraînement. Hein. Hop. J'ai dit quoi? Il fallait que je fasse la chute là. Ah putain, j'ai oublié le B. chute, c'est ça. Voilà. Et ensuite je lâche la grenade, j'ai dit.
Mais il était pion chute. N'importe quoi. Ah oui, il est mort. Oh, un torse bleu, ça il y a des couleurs, ça a l'air intéressant. Équipement. Alors, il est moins bien. Ah, il est moins bien. Et c'est pas pour moi. C'est pareil. C'est mieux. Ah, bah voilà. Mais je sens que c'est pas pour moi. Je perds un peu en def. Je gagne en... je sais pas c'est quoi cette icône. Pour l'instant je perds en def, c'est pas cool. On verra plus tard. Quand je serai plus très pressé d'avoir de la def. Non, non, c'est pas ça que je voulais. Ok. Gantelet. Je vais passer mon temps dans les menus. Ah, si. Voilà, un truc qui ressemble à quelque chose. C'est quoi cette icône blanche? Ah, c'est pour faire passer le temps, d'accord. Pour l'instant, ça va. Mais pas besoin. Ah, l'icône est là en dessous en fait. Ok, on va continuer le chemin. Là, bon, on a Michel et son copain. Sur le truc. Des trucs verts, d'accord. De toutes les couleurs, les machins. Enfin, les autres. Non, chute. Voilà. Non, mais il a pas chuté. T'es bien derrière. C'est pas très mal, hein. Puis les flancs, hop. Hein? Perso, j'aurais bien voulu reculer un peu la cam, mais a pas l'air. Pas l'air de pouvoir. Ah, quoique, vitesse caméra, oui déjà la vitesse elle est un peu lentouille. Hein. Oui, c'est A ou B quoi, c'est lent ou rapide, mais t'as pas middle. Hauteur à caméra avec zoom, sans zoom, avec zoom, sans zoom. Distance de la caméra, moi je voudrais. Ah bah y'a pas, ok, bon bah tant pis. Attends, je vais faire une petite sauvegarde parce qu'il faut toujours sauvegarder. Non, c'est pas ça que je voulais. Surtout quand on stream, parce que bon, si c'est pour recommencer 25 fois le même truc parce qu'on est mort comme une merde, c'est pas cool pour les viewers. Alors. Oh, j'admire hein, quand même. Quoi en bas? Sans se casser la gueule.
Bon, il a pas l'air méchant. Ah, mais il est que niveau 4. Bon, je sens que si je vais le faire chier, je vais me faire défoncer. C'est quoi là? Pourquoi il y a une icône? Bon, lui il veut m'attaquer par contre. Non, pas lui. C'est pas lui que je veux, c'est lui. Non, pas lui! Comment je change de cible? Pas lui, je sais pas encore. C'est lui que je veux là. Oh bah t'as tout loupé. Il est pas tombé. Ah mais putain, j'étais en train de faire autre chose là. Ah oui d'accord, mais c'est vrai que le buff se met. Je peux buffer quelqu'un d'autre. Ah bah vivement que ça soit réactif hein, parce que. Oui, il m'intéresse. Oui, bon niveau 4. Attends, on va sauvegarder, on va essayer. Vu que je sais pas encore ce qui se passe quand on meurt. Mais bon. Ah, j'ai un nouveau truc, attends. Inflige provocation pour attirer les attaques des... Non, non, ça va aller pour l'instant. Je lui tire la jambe, ok. Ah, j'ai trouvé un truc là. Ah, mais attends, j'étais en train de changer de cible gauche, d'accord. Y, non, pour l'instant, c'est pas. Ah, si, c'est attaque concentrée, rassemblée. Ça, c'est les ordres, ok. Ah, je suis mort. Attends, je l'ai trouvé comment changer de cible. Ah oui, non, mais c'est vrai, je me souviens, c'est comme Xenoblade le premier. Quand on meurt, les ennemis, enfin voilà, quand on garde tout son XP, tout son bordel. Bon, on va arrêter de l'emmerder, lui. Elle est où la route? C'est bon, ça, j'ai déjà fait tout ça. C'est juste un caillou. Désolé les mecs, je passe. Là, on n'a pas le temps. On va pas tuer tous les mobs du monde. Ouais, bah oui, bah vas-y, on va l'attaquer. Ah, mais arrête avec les B là. Ah, c'est quoi ça? Fugigada. Ah oui, non, c'est ce que j'avais déjà dit, ça, c'est ça. Okay. Ah merde, y'a l'autre qui a aggro. Ok. Non, c'est pas. Je me suis dit que je voulais lancer, mais c'est pas grave. Donc. Allez, là j'attaque la tête. Y. Ah voilà. Ah non, ça c'est attaquer une autre arme. Non, là on va attaquer quelqu'un d'autre, ça va aller. Ah voilà, c'est ça. Là j'ai verrouillé. Là j'ai pas verrouillé. Ah, zoom, dézoom. Ah, j'ai trouvé le zoom. C'est ça, c'est ça. Ah, ça y est, j'ai trouvé le dézoom. Voilà, on pourra y voir quelque chose. Où j'en suis? On peut lancer les drones et changer la mini carte, mais j'ai pas la mini carte pour l'instant.
on a un drone. D'accord, donc je marque des trucs. Zoomer, dézoomer, non, oui, peut-être, non. Et maintenant c'est marqué. Ok, cool. Je sais pas ce que j'ai marqué, on va aller voir, mais. Ah, j'ai marqué tous les petits trucs comme ça, d'accord. Moi, oui, il y a un truc en l'air qui vient de voler. Ah oui, il y a des machins là. Niveau 21, oui, on va peut-être les calmer. Ah, ça y est, la nuit tombe. Je sens que c'est pas une bonne idée de marcher la nuit. Ah mais il est déjà 15h, il est temps de faire la coupure pour la VOD. Attends, je vais mettre un endroit safe. Ok. Bon, allons en ville. Looks a lot bigger up close, doesn't it? And this was just the habitat unit. The White Whale was one hell of a ship. Until it all came crashing down, at least. That's the West Gate. It's closed off now for security reasons. But we've repurposed a freight elevator that will get us inside. Oops. Rex's. Ryle. Classe quand même les mobs. Ouais, pas à dire ça, j'espère qu'ils sont niveau 2. Ça. Oh, tu... c'était pas vraiment de côté mais bon. Attends, on va le... Ok. Ah oui, je peux courir. Oui, je peux courir. Il est. Je crois que j'étais mal niveau vie, mais j'ai pas du tout regardé. It's a shame we had to settle near so much wildlife. Luckily, some species aren't so hostile, but they aren't necessarily friendly either. I've come to learn that there's a fine line between self-defense and provoking a fight. We need to walk that line. All right, let's head in. Who knows? Maybe seeing the inside will jog your memory. Okay.
Qui es-tu, toi? Thanks. Ok. Bon, alors avant de prendre l'ascenseur, je fais la coupure de la VOD, je fais une petite pause d'une minute et on reprend. A tout de suite.